L'overball, donc, il se recharge grâce à un port USB que vous branchez ici. Donc, un bouton pour l'allumer. Donc, deux positions. Une position qui sert de veilleuse, donc on peut mettre dans une chambre. Et l'autre position qui sert pour jouer au foot à l'intérieur. Donc là, on allume. On entend un petit ventilateur. On le pose au sol. Vous voyez, il avance tout seul. Donc voilà, on peut jouer. Et on peut jouer aussi contre les murs, car il a un contour en mousse, donc du coup ça n'abîmera pas les objets dans la pièce.